C'est après ça, non? Ah là, t'étais gros. Ah, j'étais gros, 14, ouais. Moi, j'ai des photos de notre mariage. J'étais vachement plus... Ah ouais. Ça? Toi? Voilà. C'était avant. Mais pourquoi on se fait du mal comme ça? Là, ils se font jeter. On commence à être un petit peu sec, on a envie de se renouveler au bout de 18 ans. On s'est dit, on va faire un peu de recherche avant de faire le spectacle suivant. Donc on a eu envie de se prendre 4 à 6 mois de recherche avant d'attaquer la création qu'on a programmée pour début 2003. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire le reste du temps? Et si on se faisait une récréation? Et donc on a décidé de revisiter tous nos spectacles et puis d'en extirper les moments qui nous plaisaient, les moments qu'on avait envie de voir ressurgir. L'impression de faire la même chose et en même temps se superpose la façon dont on le vit aujourd'hui en 2001. Et c'est ce mélange des deux impressions, des deux façons de vivre qui est vraiment une expérience unique. C'est vraiment, avant de le faire, avant le jour de la première, on ne pouvait pas imaginer ce que ça allait donner. Et là, c'est ça qui s'est passé pour moi. C'est la superposition de tout ce que je ressentais il y a 18 ans, 17 ans, 16 ans, etc. Et ce que je ressens aujourd'hui en refaisant la même chose, et c'est ce mélange des deux qui est... C'est très, très plaisant. Hein. Très, très plaisant. Ce qui est incroyable, c'est la mémoire du corps. C'est-à-dire, on se remet en situation, on remet les mêmes costumes. Moi, quand j'ai renfilé ce costume, d'un seul coup, j'ai eu la démarche que j'avais quand j'avais, il y a 9 ans, quand j'ai monté ce numéro. Quand j'ai fait mon premier numéro de magie, c'est un magicien alcoolique. J'ai enfilé le costume et j'ai commencé à tituber. D'un seul coup, mes gestes devenaient plus hasardeux, plus... Tu m'as touché trois fois. Les quatre premières, j'ai gardé les gars. Top. Tout le monde, 10 sur 10, sauf Osmar, 2 sur 10.
Osmar, il est mal mis le tapis. Tu as eu 2 sur 10. C'est quoi ? C'est une très mauvaise note parce que tu l'as mal mis. Alors, tout le monde est super bien, mais toi, tu dois le régler. On continue. Allez-y. Immobilité totale, hein, les gens. Christophe, tu as bougé. Vous avez fini, écoutez-moi, silence. Dès que vous avez fini votre action, c'est comme les courses automobiles, vous avez vu, les mecs qui mettent de l'essence ou qui changent la roue. Vous vous immobilisez complètement. Et vous la fermez. D'accord ? Est-ce que vous souhaitez le faire encore une fois ? Oui. Rebelote. Nous allons gagner encore 3 secondes. J'arrive pas à savoir ce que c'est que le secret, quoi. Là. Le véritable secret de Plume. Qu'est-ce qui fait que, qu'ils en sont là, que ça marche et tout. On n'arrive pas à savoir. On est pris dedans, je suis encore pris par l'atmosphère. Mais je me sens pris, mais c'est leur univers, quoi. Et on est quand même un petit peu à l'extérieur, quoi. C'est à eux, quoi. Ça leur appartient, quoi. Maintenant, l'influence de la danse, l'influence de la comédie est beaucoup plus importante qu'il y a 15 ans. Et maintenant, j'ai l'impression que les artistes sont très intéressés quand on leur propose une musique et qu'ils doivent construire leur travail sur la musique qu'on leur propose. Ça va même des fois jusque à ce que l'artiste choisisse une musique qui n'a rien à voir avec lui au départ, et qui cherche à construire son travail sur la musique, pour voir. Le tango, une fois Robert il avait joué, j'avais dit « Waouh, cette musique, elle me plaît vachement. Justement, je cherche une musique pour faire des spectacles à côté, quoi. » Et puis là, pour ce spectacle, je lui ai dit « quoi, ça serait bien qu'on reprenne ça, quoi. » Le cirque, ce qui est dur maintenant, c'est vraiment le mélange. Essayer de faire un peu de jeu, essayer de garder sa technique le plus propre possible, ça c'est un travail qui est assez dur. Ça c'est vraiment difficile et c'est après parce que souvent quand on est emporté par le jeu, si on est emporté par une histoire ou un truc, on se précipite et ça bâcle un peu la technique. Ce mélange-là est très difficile pour maîtriser. Que ce soit n'importe quoi, un jongleur s'il est emporté, il a besoin de sa concentration. La concentration, tu la perds. Ça se fait doucement, quoi. Mais c'est vachement intéressant, quoi. Voilà.
faire le numéro sans esprit de jeu, on peut le faire 3-4 fois par jour. Dès qu'on y met quelque chose ou un truc, ça épuise, quoi. Les 6 premiers mois, c'est affronter la douleur. Après, pendant un an, ravacher pour que ce soit le mieux possible. Et en fait, je m'aperçois que c'est maintenant, où, en ayant fait tous les soirs, enfin au moins 300 spectacles, que là, ça devient plus facile, quoi. Mais en même temps, c'est jamais fini, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Elle est caricaturale d'un bout à l'autre, cette musique. C'est bien au trombone, hein? Ouais. Puis avec la réponse du saxo, ouais, ça va être super. Forcément repris à l'identique pour chaque moment la musique qui lui appartenait. On s'est permis de faire des petites variantes. On a choisi surtout des musiques qui nous plaisaient beaucoup et qu'on avait envie de rejouer. Et le gros plaisir, vu que tous les musiciens étaient capables de jouer les morceaux en arrivant le premier jour de répétition, c'était le travail d'arrangement. C'est-à-dire qu'on s'est permis de changer des choses, d'essayer d'autres sonorités. La chute, mais faut que tu sois, quand ouais, tu sors, tu sens en déséquilibre déjà. Ouais, à un moment donné, tu fais un faux déséquilibre et tu tombes. Je vais être attaché. C'est bien que lui il fait le drap, c'est super, avec c'est une bonne idée. Ouais. Non, t'as pas besoin. J'ai vu que c'était quasiment obligé qu'il reparte comme ça, parce qu'il n'arrive pas là. Et là, il faut le faire reculer. Alors, une avancée comme ça, il recule là, et là, vous allez prendre tout le cercle. Un numéro, souvent jamais de la structure, quelquefois j'ai une idée très précise. Autrement, quand on le travaille à partir d'une base d'impro, je connais à peu près la structure et puis on l'enrichit des idées de chacun. Quelquefois je connais pas du tout la structure et c'est chacun qui les enrichit et moi je fais presque rien, ça arrive aussi. Thank you.
plume, c'est une grosse structure, parce qu'on est une troupe importante, une troupe de 15 artistes, mais c'est aussi un établissement de spectacle, avec des camions, des monteurs, de l'administration, etc. Pour l'instant, on ne peut pas s'arrêter, même pour réfléchir, même pour... C'est un problème pour des artistes de jamais pouvoir se poser. Ouais. Récréation, on va le tourner la première partie de l'année en chapiteau. Et puis, on a décidé de faire la dernière partie de l'année en théâtre. Pour nous, c'est beaucoup plus économique. Hein. C'est sûr que le chapiteau est une lourde charge. Le coût de notre salle itinérante, c'est-à-dire le coût du chapiteau, des poids lourds et tout ça, ça doit être à peu près 3 millions de francs par an, donc 500 000 euros. On s'est posé la question entre nous, on dit mais le cirque plume sans chapiteau, c'est plus le cirque plume. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ben, on va voir. Mais on fait en tout cas le pari que ça ne changera rien. De l'eau. Putain, Merlouille, t'es où, toi? Ah putain, il a pas de repère, celui-là. Ah ben ouais, il a l'air con. Ah bah, ben, écoute. Ok, il l'a plus dégueu. Celle-là. Ah, là, oui. J'aimerais bien avoir des verres comme ça aussi. Il y a 10 ans, on avait des moyens de sonorisation qui étaient très limités. On avait une toute petite piste. Et puis on était des musiciens un peu... On avait très envie de faire ça, mais on avait un peu peur en même temps, parce qu'on s'attaquait à une gymnopédie de Satie. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait résolu la question. On mettait le piano à un niveau sonore très faible, de façon que, nettement pour les gens, ce soit perçu comme un morceau de musique joué par des vers. Et quand on a choisi de reprendre ce morceau dans Récréation, moi j'ai fait le pari qu'on arriverait à se passer du piano. Je pense que quand on jouera à Récréation en théâtre, on aura un avantage supplémentaire d'avoir une acoustique très sûre et d'avoir un silence parfait dans le théâtre qui nous permettra de renforcer encore le caractère fragile et, je vais dire, subtil de certains choix musicaux qu'on a fait dans ce spectacle. Ça fait plusieurs années que je pense qu'il y a un moment donné où il va falloir que je m'arrête, puisque mon corps impose ses limites.
Mais j'ai profité toutes ces dernières années pour aussi, comme mon corps se modifiait, j'ai modifié ma façon de travailler. Hein, parce que quand on débute, on essaie d'en faire le maximum et d'éblouir le maximum avec le plus de performance possible. Puis au bout d'un moment, on ne peut plus les faire. Ou on ne peut plus les faire dans le rythme. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec la plus jeune de mes filles, Alice, 6 ans. On discutait. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête, puis elle me dit « Maman, je viens de vieillir une minute. Pourquoi on vieillit ?»« Ah, ça y est, maman, je sais. Sinon, on n'existerait pas. Ce soir, j'ai envie de prendre quelques instants pour vieillir avec vous. » Ça, c'est pas une parole de théâtre, pas du tout. C'est une parole d'émotion, c'est une parole de la vérité de chacun. Le théâtre est une représentation, ce n'est jamais le temps réel, c'est le temps différé. C'est le temps de raconter l'histoire. Le cirque, c'est le temps de vivre l'histoire, ce qui est une chose très différente. Et c'est pour ça que les deux se mêlent extrêmement difficilement. Ça fait 18 ans que je travaille au Cirque Plume. À la fin de l'année, j'ai décidé de ne plus partir en tournée. Mon seul regret est que ma mère ne m'ait jamais vu jouer. Ma petite fille qui a 10 ans, elle me disait l'autre jour, ça fait 10 ans que je te connais, ça fait 10 ans que tu es toujours parti. Et pour moi, ça, ça a été décisif. Donc je me suis dit, maintenant, il faut arrêter la tournée. Donc je vais continuer à travailler au Cirque Plume, je serai toujours dans l'aventure Cirque Plume, je vais continuer à faire la direction technique. Et puis, j'ai quand même l'envie de continuer à faire l'artiste. Peut-être qu'on montera d'autres petites formes qui nous permettront de nous exprimer artistiquement en étant moins parti, pourquoi pas. Un grand Cirque Plume européen, mondial, et puis, je sais pas, pour moi, Professeur Magicus. Professeur Magicus, c'est moi, un mec qui fait une conférence sur l'ésotérisme, par exemple. Alors, réglez vos ombres avant. C'est pas mal, allez, on y va.